Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Julien Tourna Tutoriel dans cette nouvelle vidéo de présentation du tout nouveau système autonome d'Alpha Theta, l'Omnis Duo. L'Omnis Duo est un système autonome de voix hyper compact sur batterie avec nouvelles coloris, nouvelle ergonomie, multifonction, multi-sortie, du streaming et c'est un outil qui va pousser les DJ vers de nouveaux horizons. Il pourra faire office de contrôleur avec Recordbox DJ en mode performance et est annoncé compatible avec Serato DJ Lite à partir de l'été 2024. La fonction Wi-Fi permet d'accéder facilement aux morceaux sur un PC ou un Mac ou un smartphone ou sur le cloud sans connexion filaire Link Export et la fonction Cloud Direct Play dans Recordbox. Son nouveau design, on ne peut pas le cacher, Alpha Theta casse les codes du DJing en proposant un produit avec une colorie bleu jean avec des angles arrondis, très épurés à la Opus Quad. Concernant aussi son écran immense 100% tactile, il pourra ainsi se glisser discrètement et avec élégance sur n'importe quel support de travail. On va voir aussi que la technologie Bluetooth intégrée vous permettra d'accueillir aussi un signal venant du téléphone en invitant un périphérique sur votre appareil. Vous pourrez contrôler l'audio sur l'Omnis Duo, HotQ, Scratch, EQ, on le verra tout à l'heure. Et si le morceau était dans votre dispositif USB, vous pouvez le diffuser même sur un système Bluetooth. Avant de démarrer réellement ce tutoriel, je vous précise qu'il faudra faire une création de bibliothèque spéciale Omnis Duo, comme c'était le cas pour l'Opus Quad, lors de l'export de vos morceaux sur un dispositif. Nous allons commencer sur les tailles et connectiques de l'appareil. Cet appareil mesure 50 cm de largeur, 30,7 cm de profondeur et 7,1 cm de hauteur pour un poids total de 4,6 kg. Concernant les connectiques de l'Omnis Duo, nous avons un USB-C pour le charger ou utiliser l'appareil directement sur secteur. Un slot carte SD de maximum 2 Tera. Un slot USB-A pour intégrer votre dispositif traité ou non par Recordbox avec une capacité maximale aussi de 2 Tera. Une prise USB-C pour brancher votre Omnis Duo à un ordinateur et vous en servir ainsi comme contrôleur. Deux prises XLR pour vous brancher à un système son pour le Master 1 et en RCA pour le Master 2 et le retour. Une prise combo XLR jack 635 avec un rotatif de volume pour le micro 2 et un jack 635 avec un rotatif de volume pour le micro 1. La tranche avant comporte deux prises jack qui peuvent être utilisées soit en 635 soit en 3.5 et vous pouvez bien évidemment les utiliser simultanément. Passons maintenant au cœur de l'Omnis Duo, le système autonome de voix qui ressemble à un DDJ FLX4 à qui on aurait ajouté un écran d'Opus Quad. Nous allons commencer par la partie deck. Donc la partie deck comprend un bouton play-pause qui permet une fois qu'on l'appuie de lancer le morceau et une fois que j'aurai appuyé dessus de mettre le morceau en pause. Si jamais je veux relancer le morceau, j'appuie ici. Le bouton Q permet d'arrêter le morceau pendant la lecture et de le remettre au début. Ensuite, nous avons ici une touche Shift qui permet d'accéder à des fonctions annexes de l'appareil. Nous avons ici 8 pads performance qui sont rétroéclairés avec les lettres incorporées. Ici, quand j'appuie dessus, ça lance le morceau au point où je l'ai enregistré. Vous avez ensuite ici un pitch pour varier la vitesse. Si je baisse le pitch vers le bas, j'augmente la vitesse. Si je le mets vers le haut, je ralentis la vitesse du morceau. La valeur du pitch se modifie ici en fonction des decks avec plus ou moins 6, plus ou moins 10, plus ou moins 16 wide. Et vous avez le master tempo qui permet de garder une tonalité malgré l'accélération ou le ralentissement du morceau directement sur l'écran et sur chacun des decks de chaque côté. Ensuite, nous avons un plateau. Le plateau est très surprenant car effectivement, j'avais un peu peur d'un plateau entre guillemets cheap et on est loin d'être sur un plateau de chip, on a une très bonne résistance et les petites striures ici sont très agréables à prendre en main. Je lance le morceau, je vais sur le côté pour ralentir le morceau dans le sens anti-horaire, accélérer le morceau dans le sens horaire. Je pose ma main sur le plateau et je peux ainsi scratcher. Nous avons ici un rotatif loop qui permet quand je tourne de modifier la valeur de ma boucle. Vous voyez ici, 16 temps, 32 temps, etc. Maintenant, quand je lance le morceau, j'appuie, ça me crée une boucle de 8 temps. Je réduis cette boucle. Ou j'augmente cette boucle.
Nous avons ensuite la fonction beat jump qui est physique et qui permet de faire des bonds en avant et en arrière dans le morceau tout en restant synchronisé et quantifié sur la grille rythmique qui est comprise dans le morceau. J'avance ici. Je reviens en arrière. Si je veux modifier cette valeur de beat jump, j'appuie sur Shift et là, je vois ici, au-dessus de l'indicateur de boucle, que nous avons un beat jump de moins 1,5 jusqu'à un beat jump de 64 temps. Concernant la partie supérieure gauche, ici, nous avons deux rotatives de volume pour le micro 1 et pour le micro 2. Nous avons ici un talkover on-off avec un bouton qui permet de l'activer, le talkover étant une technologie qui permet de baisser le son automatiquement à partir du moment où vous êtes en train de parler dans le micro. Passons maintenant à la partie supérieure droite de l'Omnis Duo. Vous avez le bouton on-off ici qui permet d'éteindre et d'allumer l'appareil. Quand je l'ai vu, j'ai eu peur d'avoir éventuellement une mauvaise manipulation pour l'éteindre ou l'allumer. Eh bien non, il y a une petite sécurité. Quand j'appuie dessus, je peux valider sur l'écran si oui ou non je décide de l'éteindre. Si j'appuie sur OK, il va s'éteindre. Si j'appuie sur Cancel, il ne s'éteint pas. Ensuite, nous avons ici un bouton de rotatif pour le master avec le gain du master et ici le master 2 ou le retour. Quand je monte vers la droite, ça augmente le volume. Quand je vais vers la gauche, ça descend le volume. Il y a ici ensuite le bouton Browse qui permet de naviguer dans votre bibliothèque. Donc là, j'ai ma bibliothèque de morceaux ici. Je vais prendre un morceau et le charger à droite sur cette platine-là et on voit que d'un seul coup, il se met là. Je mets le son, ça fonctionne. Je peux revenir en arrière dans ma bibliothèque, choisir un autre morceau, d'accord, et appuyer sur le rotatif, choisir load 1 ou load 2 pour charger le morceau à droite ou à gauche. Si vous voulez naviguer dans votre bibliothèque et revenir en arrière, vous appuyez sur Shift et le bouton ici pour revenir en arrière. On voit ici mes playlists principales. Je vais dans une playlist, je rentre dedans. Je veux revenir en arrière, j'appuie Shift et Back pour revenir dans mes playlists. Je peux aussi, si je le souhaite bien sûr, naviguer avec l'écran. Vous voyez aussi la réactivité de celui-ci qui est quasi équivalente à celle de l'Opus Quad. Et là, je rentre dedans, j'appuie, je charge et ça va très très vite. Si vous voulez charger le morceau en instant double, c'est-à-dire que vous avez le morceau ici qui tourne et vous avez besoin de le charger directement sur l'autre deck, vous faites un double clic sur le deck où vous souhaitez qu'il arrive et vous pouvez switcher. Passons maintenant au niveau du crossfader. Alors le crossfader permet d'aller sur le morceau de gauche ou sur le morceau de droite, de scratcher, etc. Donc là, si je vais lancer les morceaux, celui de gauche, celui de droite, les deux en même temps. Si vous voulez régler la courbe de ce crossfader ou encore le désactiver ou l'activer, il faut aller dans cet onglet Settings que nous allons voir un petit peu plus tard. Et nous avons ici les courbes de crossfader. Ensuite, ici, nous avons deux faders de volume qui permettent de changer le volume de vos morceaux. Basse, médium et aigu pour l'équalisation. Le gain du morceau ne se situe pas tout en haut, mais sur la gauche, pour un gain de place par rapport à l'écran. Ensuite, vous avez ici les color FX. Donc, les color FX ne peuvent pas se sélectionner ici avec des boutons. On a ici le petit onglet FX et je peux choisir le Sound Color FX si je veux un filter, un noise, un crush, un sweep, un space ou un dub echo. On va les parcourir rapidement. Voilà pour le filtre. Voilà pour le noise. Sweep.
Radio Space. Et le 2 Beko. Ensuite, nous avons la partie casque ici. On peut choisir si je veux écouter sur le casque 1 ou le casque 2. D'accord ? Ici, j'ai le rotatif qui permet d'avoir un mix dans mon casque entre la pré-écoute et le master. Et ici, le volume du casque. Encore une fois, attention à ne pas avoir le volume du casque trop fort pour économiser vos oreilles. Sur la droite, nous allons trouver la partie bit FX. Alors, elle va se retrouver exactement dans la même fenêtre que nous venons de voir. Pardon. On a ici le channel master. Est-ce qu'on le fait sur le channel 1, 2, le micro ou le master? Donc là, je vais le mettre sur le channel 1, ici. Je choisis les bits FX et j'ai pas moins de 8 bits FX pour le Omnis Duo. Ici, je choisis la valeur. Vous voyez ici qu'elle change. Ici, j'ai le taux d'application, ce qu'on appelle le dry wet. Et ici, le bouton on-off pour activer. Je me mets en délai. Je bascule en écho. Je passe en transe. Flanger. Spirale. Reverb. Pitch. Et ensuite, le roll pour faire des répétitions brèves de votre morceau. Vous pouvez bien évidemment combiner les effets rythmiques avec les color FX. Passons maintenant à l'écran 100% tactile d'une taille de 7 pouces. Donc déjà, gros point, il peut basculer en mode jour-nuit en fonction de votre éclairage ambiant ou de votre utilisation. Vous appuyez ici et vous avez ici le Dark Mode et le Light Mode. Donc, très pratique pour utiliser votre matériel en plein jour. Pendant que je suis sur cet écran, vous avez la possibilité là d'utiliser le Bluetooth en input, on va le voir dans le chapitre suivant, le Bluetooth en sortie ainsi que le Wi-Fi. Ici, vous avez le mode Echo qui permet de désactiver toutes les fonctions annexes et d'optimiser la batterie. Vous avez ici le temps de restant de batterie, pardon, de 4h09, 73%. Et ici, dès que je désactive l'Echo mode, j'ai ma luminosité qui revient à fond et les autres fonctions. D'accord ? Donc pour économiser de la batterie, vous pouvez faire ça. Ici, vous avez le display qui permet de modifier la luminosité de l'écran. Donc forcément, vous allez manger de la batterie. Là, on est passé à 3h35 parce que j'ai monté l'éclairage. 4h07, on va attendre quelques secondes, 3h30. Je désactive le mode écho et on passe à 3h27. Donc là, vous avez une gestion de votre appareil en fonction de la batterie. Car effectivement, je le rappelle, c'est un système à batterie. Donc là, il est branché à rien du tout. Nous avons ici le menu général, donc les sources. On va voir les sources, que ce soit USB entrante ou les dispositifs USB. Ensuite, Browse qui permet d'être dans la navigation du morceau. Donc, on peut naviguer, comme je vous le disais tout à l'heure, en tactile. On a les pistes sur le côté, on a les folders, on a la fonction Rec qui permet d'enregistrer directement ce que vous êtes en train de jouer en appuyant ici sur ce petit bouton-là.
et l'historique de vos morceaux quand vous êtes en train de les jouer. Ensuite de ça, j'ai les tag lists. Je peux taguer des morceaux pour me dire celui-là, il faut absolument que je le passe dans ma soirée et du coup, je le mets dans cette tag list. Le bouton search qui permet de chercher un morceau directement en utilisant le clavier tactile QWERTY. Donc là, je vais taper ça. Là, je le charge à gauche. Et c'est parti. Ensuite, j'ai le bouton Waveform qui me permet de me retrouver sur l'écran principal avec mes waveforms. Et ici, le bouton Setting. Donc là, on va parler des settings de l'Omnis Duo. On a ici l'équalisation du micro avec plus ou moins de high ou de médium, de basse, pardon. Si je veux qu'un paramètre revienne à zéro, je double-tape dessus et il revient à zéro. Ici, j'ai la quantification de mes grilles et de mes lancements de hot cue, un quart, un huitième et un temps. Le Vinyl Speed Adjust, c'est-à-dire quand je vais arrêter mon morceau et que je veux qu'il descende de manière douce ou plus ou moins rapide, je vais le modifier ici, d'accord, en modifiant là. Le mixeur ISO Equalisation, je mets en équalisation ici. J'ai tout coupé, mais vous entendez quand même un petit peu de signal qui passe. Dès que je vais passer en isolator, j'ai plus rien. Ensuite, le headphone mono split ou stéréo, si vous voulez qu'un seul côté fonctionne ou que les deux côtés fonctionnent. Le channel curve qui permet de modifier les paramètres du fader de volume. On va écouter celui-ci. Vous voyez que là, il monte tout doucement et qu'à partir de là, ça commence à monter. Là, on a une montée normale. Et là, nous avons une montée sèche dès le départ. La courbe du crossfader, plus ou moins douce. Ici, je le désactive. Ici, vous avez le choix de la couleur de la waveform. Soit vous la prenez blue, c'est-à-dire anciennement l'ancien visuel de Recordbox, soit en RGB depuis la version 5, soit depuis la version 6, les trois bandes dont je vous conseille de faire largement. Et pour finir, nous avons ici l'emplacement de la tête de lecture. Est-ce qu'on la veut centrée ou sur la gauche? Si vous voulez aller plus loin dans les réglages de votre Omnis Duo, vous avez ici l'onglet Utility avec le Load Lock, le Vinyl Speed Adjust, etc. etc. Des paramètres de mixeur. Est-ce qu'on veut le Master 1, le Master 2 à tel dB avec une atténuation ou non? Ensuite, nous avons les paramètres généraux, français, même si je n'ai jamais réussi à les mettre en français. Si vous y êtes parvenu, dites-le moi en commentaire parce que moi, je n'ai toujours pas trouvé. La possibilité justement de voir le power management. Est-ce que je veux qu'au bout de 20 minutes où je n'utilise pas du tout mon Omnis Duo, est-ce qu'il se coupe ou est-ce qu'il ne se coupe jamais? Et les informations concernant le numéro de série, etc. Donc là, ce sont les paramètres généraux et approfondis de l'Omnis Duo. Ensuite, concernant l'écran, nous avons aussi plein de choses sur l'écran directement. On a vu la fonction FX tout à l'heure. On a vu ici la possibilité de varier le tempo, plus ou moins 6, moins 10, etc. L'activation ou la désactivation du master tempo. Nous avons ensuite ici les memory cues que vous aviez ici sur les côtés des boutons de boucle sur les anciens modèles. Nous avons la possibilité de synchroniser le morceau de manière automatique ou non. Et nous avons ici la possibilité de varier le jog mode. Est-ce qu'on le veut en vinyle? Donc je vais mettre sur celui-ci. Là, effectivement, oui, je suis en mode vinyle. Par contre, là, je ne vais plus y être. Est-ce que j'active ou non la quantification? Et est-ce que j'active ou non le sleep mode qui permet de faire une pause, de laisser la tête de lecture défiler du moins de manière fantôme, comme ici. Et dès que je vais appuyer play, on revient au morceau où il était si je n'y avais pas touché. Ensuite, nous avons aussi les informations sur le morceau, donc en fonction du morceau 1 ou morceau 2. La possibilité ici d'enregistrer vos morceaux
attention, pour celles et ceux qui vont utiliser le Bluetooth, comme on va le voir dans le chapitre juste après, vous ne pourrez pas enregistrer le signal entrant d'un périphérique Bluetooth uniquement par souci de droit d'auteur, et je trouve ça complètement logique. Parlons maintenant du système Bluetooth de l'Omnis Duo. Donc vous pouvez très bien prendre votre téléphone et l'appairer directement sur votre Omnis Duo. Pour ce faire, vous appuyez ici, vous allez dans l'onglet Portability et vous appuyez sur Pairing. Je vais aller dans mes paramètres de Bluetooth, le chercher. Il va apparaître en bas de l'écran. Voilà. Je suis en train de l'appairer. On voit qu'il est en train d'appairer. Est-ce que je jumelle mon téléphone? Oui, ça se fait très rapidement. Et là, je vois que dans mes sources d'entrée, j'ai mon iPhone. Je peux utiliser de deux manières différentes le mode DEC ou le mode mixeur. Je vois qu'en passant en mode mixeur, je vais pouvoir lancer avec cette partie-là que nous n'avons pas vue tout à l'heure et c'était fait exprès, sur le DEC numéro 1 ou 2, donc quand je vais choisir le 1, les morceaux de ma bibliothèque. Donc là, je retourne ici sur mon téléphone. Du son à l'intérieur de mon téléphone. J'avance d'un morceau. Alors, je vais aller dans ma bibliothèque générale, ce sera peut-être mieux. Morceau suivant. Je peux faire pause, play et équaliser mon morceau. Je peux bien sûr écouter au casque ce qui se passe dans ma piste 1. Donc ça, c'est la partie input. Par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, sur les waveforms ici, rien ne se passe et j'ai mon input Bluetooth. Jusque-là, rien d'anormal. Maintenant, on va passer sur ce qui, à mon sens, est incroyable sur l'Omnis Duo, c'est-à-dire la possibilité de scratcher, mettre des hot cues et d'enregistrer dans une mémoire tampon de 10 minutes l'intégralité de ce qui se passe sur votre téléphone. Attention au niveau des appels ou SMS. Quand vous allez avoir une notification, ça va baisser un petit peu le son. Ça ne va pas couper, mais ça va le baisser un petit peu. On a fait les tests hier avec mon collègue et du coup, ça a fonctionné comme il faut. Donc, mettez-le en mode avion, ce sera plus simple. Allez, c'est parti. Donc, je vais dans mes sources. Je vais dans l'iPhone de Julien Tournade, DEC 1, et je load sur le channel 1. Vous voyez ici, il y a une petite waveform qui est en train de se créer. Et là, vu que mon téléphone est en train de jouer, je vais pouvoir poser mon téléphone, scratcher, mettre des hot cues, jouer, pitcher. Je vais juste faire stop ici pour que vous voyez petit à petit que ça va s'arrêter au niveau du morceau. Je peux scratcher, pitcher, équaliser. J'avance dans ma waveform, je vais même prendre le beat jump. Regardez, à un moment donné, tac, ça s'est arrêté. Je vais relancer le morceau exprès. Je vais certainement accélérer la vidéo pour pas que ça vous prenne trop de temps. Donc ça, clairement, c'est monstrueux si vous avez une requête de dernière minute ou quoi que ce soit d'autre comme possibilité. Vous n'avez pas un morceau ou peu importe. Vous pouvez pitcher et enchaîner le morceau plutôt que de faire une sale coupure. Si vous avez par exemple une pub qui est chargée ou autre, ben vous pouvez très bien la couper, préparer votre morceau en amont au casque, faire ce que vous avez envie de faire. Et ça, franchement, c'est vraiment super. Vous pouvez le faire aussi avec les plateformes de streaming. Vous pouvez le faire avec plein d'autres supports. Donc ça, grosse nouveauté sur Alpha Theta et sur l'Omnis Duo, gros point fort sur ce produit. Petite information complémentaire sur la batterie qu'on parlait tout à l'heure. Vous avez la possibilité, selon le constructeur, d'avoir jusqu'à 5 heures de musique et d'utilisation sans brancher l'appareil. Vous pouvez très bien l'utiliser en l'ayant branché à une source secteur ou à une batterie externe de 45 watts en support USB-C dédié. Il faut savoir que le temps de chargement complet de la batterie est de 3 heures. Il est recommandé d'utiliser la batterie entre 5 et 35 degrés et de le charger dans un environnement entre 10 et 35 degrés pour pas que les composants de la batterie soient abîmés. Il est donné bien sûr pour 5 heures
d'autonomie. Et d'après ce que j'ai cru voir sur certains sites, etc., on peut peut-être la prolonger jusqu'à 8 heures, mais je n'ai pas été vérifié ce paramètre-là. Donc, encore une fois, sous réserve. Ce produit coûte 1 599 € TTC au jour du tournage de la vidéo, prix public conseillé. Vous pouvez le retrouver en démo au magasin Dimension Sono dans lequel je tourne les vidéos depuis maintenant de nombreuses années. Donc, merci à eux de m'avoir accueilli à nouveau. En même temps, je travaille là-bas, donc maintenant, je suis un petit peu comme à la maison et ça fait plaisir. Donc, il est disponible en magasin pour que vous puissiez le tester. Vous pouvez l'avoir en commande sur notre site internet www.dimensionsono.com. Je sais qu'à la date de la vidéo, nous l'avons en stock, donc profitez-en. Petit aparté concernant la compatibilité avec l'appareil Wave 8, il est bien évidemment dédié aussi à cette portabilité Bluetooth où je peux envoyer le son du Bluetooth directement sans fil sur une Wave 8 ou sur toute autre enceinte avec une connectivité Bluetooth incorporée. Donc clairement, c'est un produit assez surprenant. J'avais des a priori quand je l'ai vu en photo. Quand je l'ai vu en vrai, j'ai compris le pourquoi du comment. On a un très bel écran, on a quelque chose de très bien fini, même si les finitions sont en plastique, on a quand même quelque chose de très épuré, très propre. Donc, j'avoue que c'est vraiment un produit que je vais utiliser et que je vais tester en soirée. J'aurai le plaisir de vous partager des stories et tout ça sur la chaîne dès que ce sera possible. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker aussi si vous le souhaitez et à vous abonner à la chaîne en vous cliquant sur la petite cloche pour avoir les notifications des dernières vidéos dès qu'elles sortent. Je vous remercie toutes et tous de votre fidélité. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !